passer la parole maintenant à Philippe Gazera, dirigeant de Mixplast. Donc vous êtes l'un des lauréats des grands prix de l'innovation sur Equipe Auto pour un pistolet antistatique qui s'appelle Star Finish. Alors ça, c'est vraiment un parent pauvre hein, dans la carrosserie, ignoré de beaucoup. Mais l'électricité statique, c'est un des éléments de la qualité du travail et donc de la productivité. Je veux dire, quand on l'enlève, expliquez-nous. Oui, on sous-estime les causes et les conséquences de l'électricité statique. Il y a de plus en plus de plastique sur les automobiles. Donc, on va intervenir juste avant les phases de peinture. Lorsqu'on fait une friction pour préparer les zones avant peinture... Donc, alors, on a mélangé sa peinture. Le véhicule, il est dans la cabine de peinture. On a fait le masquage et vous... Alors, juste avant le masquage, peut-être, d'ailleurs. Non, c'est après. Non, c'est après. Et vous intervenez... l'ultime étape. L'ultime étape avant la mise en peinture. Oui, parce que l'électricité statique, on sait que ça attire la poussière, mais ça vient agir aussi sur les particules qui sont très, très fines, comme des particules de métal. Et ça fait réagir les particules de métal de la même manière qu'on ferait réagir de la limaille de fer avec un aimant. Oui. Donc, bien sûr, la réflexion de la lumière va se faire de manière anarchique. Les poussières vont être attirées. Des cages de Faraday qui sont des angles, la peinture va être difficile pour être mise à l'intérieur. Et donc, on vient intervenir sur cette électricité statique qui est un phénomène contraignant sur lesquels on trouve des solutions en jouant de la gâchette. Mais ici, on vient l'éliminer, ce qui facilite énormément les résultats. Et effectivement, on n'a pas l'impression, mais... La productivité, le rapport avec la productivité, c'est que ça évite d'avoir à refaire un élément qui aurait été gâché, en quelque sorte, une différence de prise à la lumière hein, qui se voit beaucoup sur les boucliers. Oui, le plastique est beaucoup plus chargé en électricité statique que la tôle, donc ça peut créer... Contrairement à ce qu'on pense, hein, d'ailleurs. Contrairement à ce qu'on pense. C'est le plastique qui est le plus chargé. C'est donc, est-ce que c'est la seule raison pour laquelle on a des différences de teinte? Non, je ne pense pas que ce soit la seule raison, mais c'est un des acteurs majeurs, l'électricité statique, de cette problématique. Ouais. D'accord, très bien. C'est une belle innovation, effectivement, il fallait y penser, et vous faites partie de nos lauréats, effectivement, sur cette Equipe Auto 2017.